Bonjour tout le monde. Nous sommes le vendredi 21 août 2020 et je suis parti sur la route forestière du Tracé, sur les hauteurs entre Fumet et Rocroi. Voilà, donc il fait aussi 21 degrés. Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Et puis là, je profite d'une éclaircie pour tracer un petit peu la route. Hein. On verra bien. Quand il pleut beaucoup, on appelle ça la pleu. Donc voilà, et la terre, cette magnifique terre exhale tous les parfums avec des fragrances de fruits rouges, de champignons des bois, d'épicéas, de tout. C'est magnifique. Et puis bon, pour une fois que je marche et qu'il fait pas trop chaud, il fait un petit peu lourd, mais pas trop chaud, ça va me changer un petit peu. Hein, voilà. Et la nature a besoin d'eau. Et bien voilà un superbe joli coin en pleine nature avec un étang. C'est magnifique. Magnifique et surtout d'un calme. Voilà une autre vue de ce bel étang. Alors, visiblement, il y a un sentier qui fait le tour. Je vais traverser ce petit pont aménagé avec des traverses. Et ce cheminement m'a l'air sympathique. Hein. Ouais, ça permet d'avoir d'autres vues. Hein. C'est vraiment chouette ce coin-là. Ah, voilà l'ami soleil qui revient. Il y a du vent. Hein. Il y a un vent à décorner tous les cocus de la terre. Oui, tout à l'heure, j'étais en face, là, sur l'autre rive. Je pense que ce chemin fait le tour complet. Le chemin ne fait pas tout le tour. Ça s'arrête là. Hein. En tout cas, c'est un coin splendide et bien tranquille. Hein. Donc, je tombe toujours sur des trucs comme ça. Bon, par contre, ici... les murs ne sont pas encore totalement mûrs. Hein. Là, je tombe sur une mare forestière. C'est moins une petite mare, hein. C'est pas un étang. Il n'y a pas grand-chose. Et puis l'eau est sale, elle est boueuse. Voilà, j'ai repris la route forestière là, qui remonte, qui serpente au-dessus de l'étang et de la mare. Là. Et puis on dirait que j'arrive sur un plateau. Là. Tout au fond, là-bas, entre les arbres, voilà, c'est un nuage et on se croirait à la montagne. Ça a l'air de monter sec là-bas. Hein. Tout en haut de cette route forestière qui montait à un sacré pourcentage, et ben maintenant on a un chemin forestier qui est beaucoup plus sympathique. Hein. Voilà un arbre qui est comme moi. Il n'est pas né d'hier celui-là. Hein. Mais encore une très jolie, très agréable promenade. Hein. Alors c'est vrai que il n'y a pas le soleil qu'il y avait hein, en début de semaine. Mais c'est tellement plus agréable de se promener par ces températures-là. Et là on a un sacré chêne. Hein. Il doit avoir plusieurs dizaines d'années celui-là. Hein, avec un tronc bien droit. Magnifique. Bon là je sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, une espèce de cabane avec une grosse cheminée. Je vais aller voir. Non mais en fait c'est une cabane de chasse. Hein. Voilà. Non, voilà, et après plus de 2 heures de marche, une petite pause. Réhydratation, ça se nécessite. Hein. Oh punaise, ça fait un bien. Un bien, les copains. Citron, hein.
Voilà. Avec mon bel opinel rouge. Voilà, voilà. Les amis, ça fait du bien. Hein. Oui, c'était une jolie balade là. Hein, où j'ai fait pas mal de découvertes d'ailleurs. Moi, je ne connaissais pas. Donc voilà, là, à l'endroit où j'ai commencé ma rando. Aujourd'hui, midi et quart. Hein. Là. Il est 2h30. Donc ça fait un peu plus de 2h que je marche. J'ai découvert des beaux coins en étant une mare, des sous-bois, des sapins, un peu de tout, un roulet de chasse. Voilà. Alors, cette route-là, elle vaut le coup, hein. Mais il faut prendre un petit peu les sentiers qui sont à droite et à gauche de cette route forestière, hein, pour découvrir comme ça des petites merveilles ou des coins pas vus, toujours au calme. Avec un temps pas de rame parce que nous sommes aux alentours de 21-22 hein, quand je suis arrivé. Voilà, l'avantage c'est de pouvoir faire une rando autrement que sous un soleil de plomb parce que là c'est dur, il faut partir le matin. Là, j'ai mangé chez moi de bonne heure, 11h30, et à midi et quart, je commençais ma marche. Voilà. Et voilà, voilà les enfants. Bon, chouette. Vraiment rien à dire, hein. Voilà, c'est des sentiers que je ne connaissais pas, des routes forestières que je ne connaissais pas, des chemins forestiers, des endroits que je n'avais encore pas découvert. Puis j'en ai tellement à découvrir et à vous faire découvrir qu'on n'a pas fini de se voir. Hein. Voilà. Mais l'avantage avec le citron, c'est que ça chasse aussi les moustiques. Hein. Là, il y en avait pas mal aujourd'hui parce que comme il y a des mares de flotte un peu partout, vu qu'il a beaucoup plu, eh ben, moustiques prolifèrent, ça va vite, ces putains de saloperies-là. Là. Dire que ça existait déjà avant les dinosaures. Les dinosaures sont morts, et les moustiques sont toujours vivants. Voilà. Bon, ben ouais, il ne me reste plus qu'à me délasser un petit peu. On va prendre la route. Hein. Bon, et ben, mes chers amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et surtout faites du sport. Kenavo.